the best young Canadian mathematicians, where young means less than 7 years since PhD. Born in Belgium from Iranian parents, expert in the resolution of partial differential equations for physics by geometric methods, like Eddie Cartan would do. Very prolific, hundreds of papers. Please go. All right. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier François de l'initiative qu'il a prise pour organiser cette conférence pour honorer la mémoire de notre ami Norbert. Je suis à la fois honoré et très touché d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai fait la connaissance de Norbert, de Dana et de Jacques en arrivant au CRM en 1984 comme postdoc du CSNG. Et j'ai tout de suite été frappé par la gentillesse de l'accueil de Norbert, par l'énergie qui émanait de lui, et aussi par le rayonnement de sa personne. En voyant Gilles, et François et Dana, je me rappelle d'une soirée à laquelle François nous avait conviés dans sa magnifique demeure, il y a peut-être 3 ou 4 ans, avec Jean Le Tourneur. Et nous avions fait un peu de musique, nous avions joué un mouvement d'une sonate pour piano et violon de Beethoven. Et Norbert était assis, il avait les yeux fermés. Et à un moment donné, il a ouvert les yeux et nos regards se sont croisés pendant que nous partagions ces quelques moments de musique ensemble. Et ce qui émanait de son regard était la richesse de son esprit et sa sensibilité. Je crois que ce que je conserve de Norbert avant tout, c'est le rayonnement de son regard, sa richesse intérieure, puis sa sensibilité en tant qu'être humain. Et malheureusement, je n'ai pas eu le privilège d'être un de ses étudiants, mais je garde ceci en moi. Donc, je vais faire mon exposé en français. Le texte sera en anglais, mais je crois que c'est tout à fait indiqué que je fasse mon exposé en français ici. Donc, ce dont j'aimerais brièvement vous parler est d'un problème inverse en analyse géométrique qui remonte à Alberto Calderón, le célèbre mathématicien analyste américain d'origine argentine. Alors, Calderón, en fait, a commencé sa carrière comme ingénieur. Il a fait des études d'ingénieur comme Bott, comme Nirenberg, comme beaucoup de grands mathématiciens de sa génération. Et son premier poste était un poste d'expert technique en modélisation à la Compagnie nationale des pétroles d'Argentine. Et ce qu'il faisait, c'est qu'ils avaient des modèles d'exploration pour essayer de trouver des nappes pétrolifères. Donc le modèle était le suivant. On avait c'est pas tellement à la mode aujourd'hui, effectivement. Ils avaient des détecteurs qui enregistraient les vibrations du sol, puis ils avaient des camions qui se déplaçaient et qui lâchaient des poids. Qui venaient, donc ils lâchaient des poids, les poids heurtaient le sol. Il faut imaginer la nappe pétrolifère ici, des ondes qui se propagent, puis des inhomogénéités dans le milieu qui font que partie des ondes sont également réfléchies. Et les détecteurs, ce qu'ils mesurent, en fait, c'est dérivée normale de l'amplitude des ondes réfléchies. Calderón, sa carrière d'ingénieur n'a pas duré très longtemps. Il a rencontré un mathématicien qui était en visite des États-Unis, qui l'a convaincu de poursuivre des études, de poursuivre un doctorat par la suite. Mais ce problème de modélisation qu'il avait étudié comme ingénieur lui est resté en tête. Et au début des années 80, il a rédigé un article qui est, soit dit en passant, son article le plus cité, si vous allez sur NatSciNet, dans lequel il formule un problème inverse qu'on appelle le problème de Calderón, dont je vais vous
présenter la formulation dans un instant, mais c'est un problème qui remonte à un problème de génie, en fait, d'exploration pétrolière. Alors voilà, c'est dédié à la mémoire de Norbert, avec beaucoup d'affection. Alors, je vais formuler le problème de manière légèrement différente, de manière plus géométrique. Donc, Calderon, on peut traduire le problème de Calderon en problème inverse en géométrie riemannienne. Donc, ce qu'on se donne est une variété riemannienne compacte, lisse, orientable, à bord, variété à bord. Et sur cette variété à bord, on se donne a priori deux ouverts du bord que je vais dénoter par gamma D et gamma N, D pour Dirichlet et N pour Neumann. Et donc, ce qu'on considère, étant donné ces deux ouverts non vides du bord, on considère un problème aux limites, un problème de Dirichlet pour le Laplacien, associé à la métrique riemannienne. Donc, on se fixe un lambda. Pour des raisons techniques, il faut le choisir en dehors du spectre de Dirichlet du Laplacien pour avoir l'unicité. Et on se donne des données au bord. On peut choisir les données au bord comme étant lisses. En fait, les données les plus générales qui garantissent l'unicité de la solution sont des données dans un certain espace au sol de l'Est. Ça n'a pas d'importance. On résout ce problème aux limites. Et la solution unique de ce problème de limite, aux limites, on la dénote par, je vais l'appeler U, qui va dépendre du choix de données au bord psi. Et ce que je fais, c'est que je mesure, donc gamma D contient le support des données de Dirichlet. Ça, c'est le support des données de Dirichlet contenu dans gamma D. Et ce que je fais, c'est que je calcule les dérivées normales de U le long de gamma n, ce qui correspond à une modélisation géométrique du problème étudié par Calderon au départ. Donc ceci me définit une application qu'on appelle l'application de Dirichlet à Neumann et qui associe à ma donnée au bord psi, dont le support est contenu dans gamma d, la dérivée normale de u évaluée en tout point de gamma n. Donc, c'est une application, en fait, c'est un opérateur qui est pseudo-différentiel, elliptique, d'ordre 1. Et le problème que s'est posé, enfin, avant de dénoncer le problème de Calderon, je précise qu'il y a divers cas particuliers qui peuvent être d'intérêt. Il y a le cas où gamma D et gamma N sont confondus avec toute la frontière de la variété. Il y a le cas où gamma D est égal à gamma N, mais qui est un sous-ensemble ouvert propre du bord de la variété. Il y a aussi le cas où les données sont disjointes, qui correspond au cas que j'ai représenté sur mon diagramme ici, où gamma N et gamma D ont une intersection qui est vide. Et le problème de Calderon, que je vous énonçais à l'instant, peut être considéré dans ces trois cas. Et quel est le problème de Calderon? Oui. Le psi, c'est la réflexion au bord. Le psi, c'est la donnée au bord. C'est ça, la donnée au bord. Tout à fait. C'est la donnée au bord, exactement. U, je l'appelle U, exactement. Donc, le problème... Le camion, c'est ça que j'essaie de voir. Alors, ça, c'est gamma N. Ça, c'est gamma D. Gamma D, c'est l'endroit où tu laisses tomber ta masse de X tonnes. C'est le support. C'est le support. Dans ton espace de ce problème ? Absolument, tout à fait. Absolument. Tout à fait. Et le théorème d'existence et d'unicité nous garantit l'existence d'une solution dans H1, en fait, une solution à énergie finie. Donc, le problème posé par Calderon est le suivant. Donc, supposons que nous connaissions cette application de Dirichlet à Neumann pour une valeur fixée lambda. Je vous rappelle, lambda est ce paramètre qui apparaît dans le membre de droite de mon équation. C'est ma fréquence, c'est mon énergie. Est-ce que la connaissance de cette application de Dirichlet à Neumann me détermine la métrique à l'intérieur de la variété de manière unique ou pas? Mettons à isométrie près. C'est comme le Laplacien commute avec les isométries. On peut se poser la question pour la métrique à isométrie près.
Cette question telle qu'elle est formulée est malheureusement un peu trop naïve. La réponse est non, parce que ce problème admet un certain nombre d'invariances de jauge que j'ai résumé ici. Alors, la première invariance de jauge, c'est que si je prends un diffeomorphisme de ma variété à bord, dont la restriction à la réunion de gamma d et de gamma n est l'identité, que je prends le pullback de ma métrique par ce diffeomorphisme et que je calcule l'application de Dirichlet-Neumann, elle sera la même que celle de la métrique de départ. Peu importe ce qui se passe à l'intérieur de la variété. Donc, c'est beaucoup plus général qu'une isométrie, mais l'application de Dirichlet-Neumann ne verra pas ce genre de diffeomorphisme. Oui, vas-y. La note de Fitzner, c'est le mouvement de gauche, c'est bon. À droite, c'est la même solution par Fitzner. Ah non, pas du tout. C'est la même application. Donc, le domaine de l'application de Dirichlet-Neumann, c'est mon espace H1,5. Pas de problème. En dimension 2, parce que le Laplacien est conformément covariant, il y a une invariance de jauge supplémentaire à fréquence nulle. Donc, dans le cas où le paramètre lambda apparaissant ici est nul, on peut également faire un changement conforme de métrique. En fréquence nulle, en dimension 2, les applications de Dirichlet-Neumann sont les mêmes. Pour la métrique de départ et la métrique liée à la métrique de départ par une transformation. Une fonction positive lisse. Voilà. Donc, le vrai problème de Calderon est de savoir si l'application de Dirichlet-Neumann détermine la métrique de manière unique à ces invariances de jauge près. Alors, bon, c'est un exposé qui n'est pas technique. Je veux brièvement passer en revue un certain nombre de théorèmes d'unicité qui ont été obtenus pour ce problème. Et si le temps me le permet, j'aimerais vous présenter un exemple de non-unicité pour le problème de Calderon. Donc, un exemple où ce problème inverse n'a pas de solution unique. Qui a un contenu roumain, d'ailleurs, qui va vous intéresser. Alors, les résultats les plus généraux correspondent au cas lambda égale 0, donc c'est le cas où je prends Laplacien de U est égal à 0 sur ma variété. Et en dimension 2, et ils correspondent également au cas où soit gamma d est égal à gamma n et remplit tout le bord, où gamma d est égal à gamma n est un sous-ensemble ouvert propre du bord. Je vais brièvement aussi discuter le cas où gamma d et gamma n sont disjoints dans un moment. Okay. Mais les résultats les plus généraux correspondent à ce cas-là. Alors, en dimension 2, si m et g sont lisses, un théorème de Lie et de Ullmann garantit que l'application de Dirichlet-Neumann détermine g de manière unique. En dimension 2 dans le cas lisse. Dimension supérieure ou égale à 3, il y a, dans le même article, Lie et Ullmann ont démontré que si M et G sont analytiques, alors la connaissance de l'application de Dirichlet-Neumann détermine la métrique G aux invariances de jauge près de manière unique. L'idée de la preuve est très simple, mais elle est très puissante. Elle consiste à calculer le symbole de l'opérateur de Dirichlet-Neumann, vu comme opérateur pseudo-différentiel, d'ordre 1. Et le contenu essentiel du papier de Lie et de Ullmann est de montrer que la connaissance du symbole de cet opérateur est équivalente à la connaissance des dérivées normales de la métrique à tout ordre le long du bord. En combinant ceci avec l'analyticité, au départ, une hypothèse topologique qui a été levée par la suite par Lassas et Ullmann, ça leur permet de reconstruire la métrique dans l'ensemble de l'intérieur de la variété, simplement en sommant cette série de Taylor convergente. Ce qui est par contre assez remarquable aussi, c'est que dans le travail ultérieur, dans un travail ultérieur, ils peuvent également retrouver la structure, non seulement la métrique, mais aussi la structure de variété elle-même. Là, l'argument est différent, il fait appel à un calcul de fonction de Green et reconstruit la structure différentielle de la variété par la connaissance des fonctions de Green du Laplacien. Donc, c'est un résultat qui est plus fort. Dimension 3,
si on oublie l'analyticité, mais qu'on fait comme hypothèse que la métrique est d'Einstein. Oui, vas-y. Vas-y. Non, les dimensions complexes, pendant qu'elles sont complexes. Supposons qu'au milieu de ton domaine, tu fais 4 points. Une dimension 4 réelle, une dimension complexe. Tu fais 4 points. Donc, tu obtiens une sphère exceptionnelle. Et je ne comprends pas comment est-ce que la topologie de la vérité est déterminée. Parce que quand tu as une sphère exceptionnelle comme ça, en général, tu peux la faire sans. Mais ta fonction de Green va la détecter. Ah oui, ah oui, bien sûr. Bien sûr, la fonction de Green va la détecter. Il y a beaucoup de cas où on ne peut pas détecter, il faut faire des connaissances à la loi. La fonction de Green est suffisamment sensible pour la détecter, exactement. C'est une bonne question. Alors, dimension supérieure ou égale à 3, si la métrique est Einstein, comme vous le savez sans doute, une métrique d'Einstein sur une variété à bord est analytique à l'intérieur de la variété. Et en se servant de ce résultat, Colin Guillermo et Antonio Sabaretto ont démontré que dans le cas lisse d'Einstein, par exemple dans l'espace hyperbolique réel, c'est un très bon exemple, où la métrique explose au bord, mais elle est analytique à l'intérieur, on peut retrouver la métrique à partir de la connaissance de l'application de Dirichlet à Neumann à fréquence nulle pour lambda égale 0. Okay. Très bien. Voilà. Hop. Si la métrique n'est pas analytique, en général, le problème est ouvert. C'est un problème qui est ouvert de manière très générale. Les résultats les plus puissants qui sont connus sont dans le cas d'une classe de variétés qu'on appelle des variétés qui sont c'est une terminologie affreuse, okay? Conformally, transversally and isotropic. Mais le terme décrit la situation suivante. On a une variété qui est à fermeture compacte dans un cylindre. Donc on prend M0, G0, variété riemannienne, à bord. On construit le cylindre sur cette variété. On prend comme métrique la somme directe de cette métrique plus la métrique euclidienne sur le facteur réel. Et puis l'inconnu est le facteur conforme C. Et on fait une hypothèse de convexité sur la variété M0 et une hypothèse de, que je vais vous énoncer ici, donc une hypothèse de convexité puis une hypothèse de surjectivité de l'application exponentielle associée au flot géodésique. Et si ces deux hypothèses sont satisfaites, M0, c'est une variété à bord. M, c'est M0 croix R. C'est le cylindre, et puis la métrique est donnée sur la section du cylindre. Et puis sur le cylindre, tu munis la métrique somme directe, tu fais un changement de métrique conforme dessus. Et théorème de Dos Santos Ferreira, Koenig, Kourilev, Chostrand, Salo, Ullmann, nous dit qu'on peut retrouver le facteur conforme à partir de la connaissance de l'application de Dirichlet à Neumann dans le cas lisse. Les méthodes sont très différentes, ce n'est plus une question de calcul de symbole de l'opérateur de Dirichlet à Neumann, ça utilise ce qu'on appelle la technique des CGO, Complex Geometric Optics Solutions, donc ça utilise des transformées intégrales, transformées du type rayon X associées au flot géodésique de la variété. Donc c'est le théorème d'inversion de transformation rayon X qu'ils utilisent pour retrouver le facteur conforme. Dans le cas des données disjointes, donc c'est le cas qui correspond à ce que j'ai dessiné ici, on peut aussi retrouver la métrique de manière unique, mais il faut supposer la connaissance de l'application de Dirichlet à Neumann pour toutes les valeurs, toutes les énergies lambda, et pas seulement une énergie fixée. Donc c'est comme si on résolvait une équation d'onde en quelque sorte, comme si on introduisait un paramètre de temps et qu'on résolvait une équation d'onde sur le produit de notre variété riemannienne avec un max de temps. Quid de métrique singulière, ça touche un tout petit peu à la question que François pose là. Donc on peut aussi étudier le même problème dans le cas où on a une métrique dont les coefficients sont simplement supposés mesurables, être mesurables, et satisfaisant une condition d'ellipticité uniforme, donc la forme quadratique satisfaisant à cette condition-ci,
On peut définir l'application de Dirichlet à Neumann au sens des distributions dans ce contexte-là. Et on a également des théorèmes d'unicité. Donc, par exemple, si G est L infini, M est un domaine borné du plan, on peut retrouver la métrique à partir de cette application de Dirichlet à Neumann au sens des distributions. Si M est de dimension supérieure ou égale à 3, et la métrique est conformément plate, donc G, facteur conforme qui multiplie la métrique euclidienne, on peut retrouver le facteur conforme sous certaines hypothèses de régularité sur le facteur conforme. Donc on passe à travers lequel le plus régulier chronologiquement était le cas où C est dans un certain espace de Hölder. Ensuite, on passe au cas Lipschitz avec une constante de Lipschitz proche de 1. Et ensuite, le cas général est un papier relativement récent de Caro et Keith Rogers où ils traitent du cas lipschitzien, mais sans hypothèse sur la constante de Lipschitz. Et c'est par des méthodes de théorie de la mesure géométrique qu'ils approchent ce problème. Ça signifie que la cytose du pétrole, c'est exactement la nappe de pétrole. Tout à fait. Sa forme. Son anisotropie. Dans ce cas-ci, c'est isotrope parce que ta métrique est conformément plate. Peut-on trouver des contre-exemples? On peut trouver des contre-exemples, mais ce sont des contre-exemples où on triche un peu. C'est ce que Ullmann appelle le cloaking. Donc, comment est-ce que je traduirais ça? C'est comme si on mettait la mauvaise région sous cap. Hein, cloaking, c'est mettre sous cap. Sous cap, ou sous cloche, ou sous cap. Cap, c'est plus joli. Et l'idée est la suivante. Donc, j'ai ma variété à bord. Puis, j'ai une région que l'application de Dirichlet à Neumann ne voit pas, parce que la métrique est extrêmement singulière au bord de cette région. So, that's my cloak, ça c'est ma cape. Et l'idée est de rendre la métrique singulière à tel point que ma transformée de rayon X, mon flot géodésique, va contourner cet obstacle. Donc je ne verrai pas. Donc on peut créer le... C'est un mur, exactement. Donc on peut créer l'être invisible comme ça. Mais c'est un peu triché parce que la métrique est extrêmement singulière au bord de ce domaine. C'est toujours C0, hein? Non. Même pas C0. Non, absolument pas. Mais on ne voit pas à l'intérieur, mais est-ce qu'on voit l'existence de la frontière? On voit l'existence de la frontière. D'accord, donc c'est pas une cape d'invisibilité à l'Harry Potter. Non, exactement. C'est un peu comme un trou noir. C'est un peu l'idée du trou noir. En fait, c'est exactement... Le trou noir, c'est ça dans l'espace-temps. Donc ici, il n'y a même pas C0, on peut faire n'importe quoi. Donc je dis, c'est un peu triché. Alors, ce que nous avons fait dans le... Il me reste quoi, 10 minutes ben, d'après l'horaire, il reste 10 minutes. D'après l'horaire, il reste 10 minutes. La conférence, on prend 5 minutes de plus sur l'horaire. Oui, c'est ça, okay. C'était un peu bizarre. Je vais brièvement vous décrire un contre-exemple que nous avons obtenu avec donc, Thierry Daudet, qui était postdoc à McGill, qui est maintenant maître de conférence à Cergy-Pontoise, et son collaborateur François Nicolo à Nantes. Et il y a un contenu roumain à ce contre-exemple, donc ça me fait plaisir d'en parler ici. C'est un cas où la métrique est lisse à l'intérieur de la variété. Le bord de la variété a deux composantes connexes. La métrique est lisse sur une des composantes connexes, mais elle est seulement Hölder avec exposant de Hölder inférieur à 1 sur l'autre composante connexe du bord. Et c'est un truc qui est très marrant, qui est très simple, mais il suffisait d'y penser. Mais il n'y a rien de profond dans ce que je vais vous décrire. En fait, ce qui est profond, c'est les travaux sur lesquels se base le contre-exemple, mais l'utilisation qu'on en fait est très simple. Et l'idée est une idée qui est classique. Je vous rappelle, si vous faites un changement conforme de métrique, l'opérateur de Laplace a une loi de transformation qui est non homogène et qui fait intervenir un potentiel qui est construit à partir du facteur conforme. Il y a une loi de transformation qui est classique.
c'est la loi de transformation qu'on utilise pour résoudre le problème de Yamabe, par exemple, pour les déformations conformes de métrique. Donc, moi, j'interprète cet opérateur comme un opérateur de Schrödinger. Je peux évidemment aussi définir l'application de Dirichlet-Neumann pour un opérateur de Schrödinger, pour autant que le potentiel soit borné, mettons à l'infini. Bon, je passe. Alors, le petit lemme que vous pouvez démontrer sur le dos d'une enveloppe est très, très, très simple. Il vous dit la chose suivante. Si vous prenez un facteur conforme qui est identiquement égal à 1 sur la réunion de gamma d et de gamma n, et que vous travaillez, et que gamma d et gamma n sont disjoints, alors les applications de Dirichlet à Neumann sont les mêmes. Je démontre sur le dos d'une enveloppe. Okay. Si gamma d et gamma n ne sont pas disjoints, mais que la dérivée normale du facteur conforme s'annule sur l'intersection, ou sur gamma n, pardon, de même, les applications de Dirichlet à Neumann, je dois dire, ne sont pas les mêmes. L'application de Dirichlet à Neumann de la métrique transformée conformément à la même que celle de l'opérateur de Schrödinger correspondant. Je vous rappelle, l'opérateur de Schrödinger, c'est celui que j'ai obtenu par cette loi de transformation qui est donnée ici. Donc, je lis l'application de Dirichlet à Neumann de la nouvelle métrique à celle de l'opérateur de Schrödinger. Donc, quel est le truc? Ben, le truc, c'est de choisir mon facteur conforme de manière à tuer le potentiel. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Alors, si je veux tuer le potentiel... Où lambda égale zéro, n'est-ce pas? Je parle de l'équation de Laplace, pas lambda non nul. Je parle de l'équation de... Oui, effectivement, je parle de l'équation de Laplace, c'est dans ce cas-là que je vais l'appliquer. Tu as raison, John. À fréquence nulle, en particulier, si gamma d est égal à gamma n, donc si j'ai le problème où gamma d est confondu avec gamma n, pour obtenir l'égalité des applications à Dirichlet à Neumann, il me suffit de trouver un facteur conforme qui satisfasse cette équation elliptique linéaire avec la propriété que c est égal à 1 sur gamma d égal à gamma n est égal à gamma. Donc, pour trouver de la non-unicité, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais essayer de choisir ma métrique G de telle manière à ce que le principe de prolongement unique ne soit pas satisfait. Qu'est-ce que le principe de prolongement unique? J'ai presque fini. Principe de prolongement unique pour un opérateur elliptique me dit, ou un opérateur linéaire me dit la chose suivante. Si P de U est égal à 0 dans oméga, que U restreint à oméga et que la dérivée normale de U restreint à gamma du bord s'annule, alors U s'annule partout dans le domaine. Ça, c'est le principe de prolongement unique. Et théorème de Hermander et Tataru nous disent que sur les hypothèses de régularité Lipschitz, en dimension supérieure ou égale à 3, le principe de prolongement unique est satisfait. Mais, c'est là-dessus que je vais terminer, il existe des contre-exemples au principe de prolongement unique dans le cas eulérien. Et c'est ça ce que nous avons dans le cas eulérien, le cas où les coefficients sont eulériens. Alors, premier exemple a été obtenu pour un opérateur elliptique par Plisch. Pour le type d'opérateur de Laplace qui nous intéresse, qui est un opérateur sous forme de divergence, c'est Keith Miller à Berkeley qui a été le premier à obtenir cet exemple. Et puis, les exemples de Miller ont été grandement développés par un mathématicien roumain absolument brillant. Il y en a deux mathématiciens roumains, c'est Mandache. Tataru et Mandache, effectivement, tous les deux. Et donc, c'est un peu le contenu roumain de mon exposé. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Notre idée de base était de choisir une métrique de telle manière à ce que l'opérateur de Laplace coïncide avec l'opérateur de Miller et que le facteur conforme soit suffisamment proche de la solution non triviale du problème aux limites de l'opérateur de Miller. Alors, dans 30 secondes, je vous
montre la forme générale de cet opérateur de Miller. C'est intéressant. Donc, ça, c'est grosso modo le tenseur métrique pour cet exemple. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que la solution non triviale qu'on obtient s'annule identiquement pour ce paramètre t plus grand ou égal à 1, mais elle est identiquement non nulle partout dans l'intervalle ouvert 0,1. Les coefficients petit a, les petits a sont lisses partout et les grands a sont Hölder continue avec exposant de Hölder inférieur à 1 pour t égale 1. Et toutes ces fonctions sont périodiques de période 2π en x et y. Donc ma variété sera tout simplement le produit d'un tore avec l'intervalle 0,1. Ma métrique est la métrique que j'ai construite à partir de l'opérateur de Miller. Mon facteur conforme, je le choisis de manière petite perturbation du facteur conforme. Donc, je perturbe 1 par la solution de l'équation de l'opérateur de Miller en choisissant epsilon de telle manière à ce que cette déformation soit partout positive, mettons plus grand ou égal à 1,5. Et là, par construction, mes métriques ne sont pas équivalentes au sens de jauge. Les applications de Dirichlet et Neumann sont les mêmes, mais il me reste... les applications de Dirichlet et Neumann sont les mêmes. Pour démontrer que les métriques ne sont pas équivalentes au sens des transformations de jauge, j'ai un petit calcul à faire en comparant les volumes. Ça, c'est le volume, l'élément de volume de ma métrique déformée, ça, c'est l'élément de volume de ma métrique de départ. Je fais un développement limité en epsilon. Je prends le terme de degré 2 en epsilon. Et paf, si les deux métriques étaient équivalentes de jauge, cette intégrale serait nulle, ce qui est impossible, d'où la contradiction. Donc c'est vraiment élémentaire comme argument. Mais ça se base sur ces opérateurs à prolongement non unique. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais on a également des exemples qui sont lisses, même sur le bord, dans le cas des données disjointes. Et ceci touche un peu à la théorie des systèmes intégrables, en fait. Ça utilise l'existence de potentiels isospectraux. Et on fait le truc en marche arrière, on prend les potentiels isospectraux, puis on résout l'équation elliptique non linéaire que j'avais écrite tout à l'heure pour trouver les facteurs conformes. Et ça me donne des exemples de non-unicité lisse dans ce cas-là. Donc très différent de l'esprit de la cape de Ullmann. Je termine. Merci. Donc en pratique, ça veut dire si tu as... C'est une fissure dans le, oui. Entre le sol oui. La nappe de pétrole. C'est une fissure en rencontre de deux plaques tectoniques. Oui, bien sûr. Alors là, tu ne peux pas détecter. Hein, c'est exactement. J'avais mis en série de problèmes ouverts, en fin d'exposé. Le premier problème est un problème qui est vraiment difficile parce que c'est clair que s'il y a un contre-exemple global où gamma d égale gamma n est égal à l'intégralité du bord de la variété ne pourra pas être Lipschitz. Donc ce sera très irrégulier. La méthode que j'ai présentée aujourd'hui ne marche pas, c'est clair. Il y a des trucs techniques sur les exposants Lebesgue, les espaces de Lebesgue pour lesquels on a unicité ou non-unicité. On a quelques résultats là-dessus. Un truc qui est plus intéressant, à mon avis, porte sur le problème inverse pour les opérateurs invariants conformes. Donc, on peut prendre le Laplacien de Yamabe, on peut prendre les opérateurs invariants conformes de degré supérieur. Pour Yamabe, maintenant, il y a un résultat qui nous dit qui est dû à Lassas et un de ses étudiants, et qui nous dit qu'ils peuvent retrouver la classe conforme de la métrique à partir de l'opérateur de Dirichlet à Neumann pour l'opérateur de Yamabe en catégorie analytique. Mais pour les opérateurs d'ordre supérieur, donc de la hiérarchie de GJMS, comme l'opérateur de Panitz, par exemple, on ne sait pas. Variété dont les bords ont des coins, on a quelques résultats. C'est intéressant. Un problème qui me turlupine, me perturbe, mais que je ne sais pas résoudre,
serait le cas où la variété, le bord de la variété aurait plus de deux composantes connexes. Tous les contre-exemples que j'ai ont seulement deux composantes connexes dans le bord, je ne sais pas comment faire. Et bon, le cas général est encore ouvert. Mais ce cas-ci serait super intéressant. Je ne sais pas comment faire. Bonne question. C'était un professeur américain qui était en visite, mais je ne sais plus qui c'était. En tout cas, il a rendu un fameux service aux mathématiques en le faisant. Là, c'est clair. Il est devenu chef d'école. Il est devenu absolument chef d'école. Mais cet article que Calderon a publié au début des années 80 dans des proceedings d'une conférence, article assez court, est son article le plus cité dans Maths Science. C'est quand même assez étonnant. Tu as besoin de la... Tu as fait un dessin avec trois cercles. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, c'est un pantalon. Pantalon, donc c'est une variété à bord, mais dont le bord aurait trois composantes connexes. Parce que l'exemple que j'ai construit à partir de l'opérateur de Miller, le bord a seulement deux composantes connexes. C'est le produit de l'intervalle 0,1 avec un tore. Donc j'ai une composante connexe ici, j'ai une autre composante connexe là-bas. Ici, la métrique est lisse, là-bas, elle est Hölder. Mais j'aimerais pouvoir faire un truc comme ça. Ça, je ne sais pas comment faire. On ne peut pas quand même convoquer un exemple avec une symétrie. De quelle façon, on ne sait pas d'où vient le signal. Ce qu'il y a, c'est que la métrique ne passe pas au quotient, malheureusement. C'est ça le problème. En fait, je vois un problème avec la paire de pantalons. Oui. C'est que si tu arrives à faire l'affaire pour la paire de pantalons, parce qu'avec les paires de pantalons, tu peux construire n'importe quelle surface de Riemann. Oh, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Alors qu'avec les cylindres, tu peux pas. Absolument. Tout à fait. Et donc là, si tu arrives pour la paire de pantalons, ça veut dire en fait qu'en mettant les paires de pantalons ensemble, en supposant que tu peux spécialiser, tu peux le faire pour n'importe quelle surface de Riemann. Tout à fait. Et donc, ça serait un résultat assez fort. C'est très fort, c'est très exigeant. Tu passes d'un niveau, c'est un saut quantique, tu passes d'un niveau à l'autre, c'est clair. Je dirais le problème inverse les plus belles lettres de noblesse, c'est le problème inverse spectral, évidemment. Donc de savoir si le spectre du Laplacien détermine la métrique à isométrie près. Ici, ce n'est pas le spectre que tu te donnes, c'est un opérateur que tu te donnes, c'est l'opérateur de Dirichlet-Neumann. Donc, d'un certain point de vue, c'est un problème qui est plus fort. Tu t'attendrais à ce que l'opérateur de Dirichlet-Neumann contienne plus d'informations que le spectre du Laplacien. Donc, intuitivement, on s'attend à ce que l'existence de contre-exemples, d'exemples de non-unicité, soit qu'il y ait plus de rigidité, en quelque sorte.